Misak Manouchian est né le 1er septembre 1906 à Adıyaman en Turquie, d'une famille de paysans. Ses parents furent victimes du génocide dirigé contre le peuple arménien par les Turcs. Son père meurt en combattant les armes à la main, sa mère des suites de la famine. Recueilli par une famille kurde qui le sauve du massacre, il débarque à Marseille en 1925, après une escale en Grèce. Il a 19 ans. Le voici donc en France, pays qui représente à ses yeux la culture, les droits de l'homme, la liberté. Il vient à Paris et s'installe avec son frère aîné Carabet dans un petit hôtel de la rue Vercingétorix. Son frère meurt en 1927. Misak se fait embaucher comme tourneur chez Citroën. Ce contact direct avec le monde du travail renforce ses convictions sociales et politiques. Mais au labeur succède une longue période de chômage, et pour survivre, Manouchian pose pour les sculpteurs de Montparnasse. C'est là, dans ce quartier où se croisent peintres, sculpteurs, écrivains, qu'il fait la connaissance de deux poètes arméniens, Avedik Isahakian et Semia. Il fonde avec ce dernier deux revues littéraires. Il traduit Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Il ne perd jamais une occasion de lire, dans le métro, dans la rue, en attendant l'autobus, et même en marchant. Avant tout, une chose est vitale pour moi, c'est le travail de l'esprit, dira-t-il. Mais Misak Manouchian est un être torturé, inquiet, angoissé. Mécontent de lui-même, éternel insatisfait, il est tiraillé par deux forces contraires, le réel et l'imaginaire. C'est un passionné de Michel-Ange, de Beethoven, de Mozart. Il lit avidement Victor Hugo, Dostoïevski, Tolstoï et Gorki. Romain Rolland demeure son écrivain préféré et Jean-Christophe son livre de chevet. Il écrit « Toute mon âme est au bout de mes lèvres et je ne parviens pas à établir le contact avec ceux que j'aime. D'innombrables devoirs me bousculent et m'assaillent, si bien que je ne sais plus derrière lequel courir. C'est la période la plus féconde de ma vie et moi, au lieu de créer, je me tue dans les soucis. » Cher Misak Manouchian, j'ai votre dernière lettre avec ses poèmes. La revue Anaïde est déjà sous presse et complète. À part cela, les trois textes que vous m'avez envoyés sont pleins de défauts et ont donc besoin d'un polissage. Il serait bon qu'un dimanche matin, vous vouliez bien venir à la maison et que nous parlions de vive voix à propos de tout cela. Votre Archag, Tchobanian. En 1924, Misak Manouchian s'inscrit au Parti communiste. On fait de lui un orateur. 10 ans après son arrivée à Paris, il rencontre celle qui deviendra sa femme et qui, dans le meilleur et dans le pire, restera jusqu'au bout sa compagne de tous les combats. Méliné n'oubliera pas les premiers pas de l'amoureux Manouchian. Après quelques jours d'hésitation, Manouchian lui demande « Veux-tu voir l'image de la jeune fille que j'aime ?» Par curiosité, elle lui répond « Pourquoi pas ?»
Il cherche alors quelque chose dans sa poche. Après avoir fouillé un moment, Misak sort un objet qu'il place devant les yeux de Méliné. C'est un miroir. Septembre 1939, la France est en guerre contre l'Allemagne nazie. Manouchian a 33 ans. Il écrit alors à un colonel pour qu'on lui permette de faire son devoir contre l'ennemi. Mais il faut croire que l'on est en plein paradoxe puisque le gouvernement Daladier fait procéder à l'arrestation de Manouchian, dont on connaît les idées antifascistes. Il est coupable d'être à la fois communiste et étranger. Après sa libération de la prison de Fresnes, il entre aussitôt dans la résistance aux côtés des francs-tireurs et partisans, au sein de la main-d'œuvre immigrée. J'ai grandi, nu, sous le fouet de la gêne et de l'insulte. La vie n'est pas dans le temps, mais dans l'usage. Une rage de tigre, longtemps enchaînée, féconde mon âme et durement la forge pour la grande tempête qui doit éclater. Méliné comparera volontiers Misak Manouchian à Che Guevara. D'une très grande pureté intérieure comme lui, il a été jusqu'au bout de son engagement. Méliné voyait Misak comme un diamant merveilleusement taillé et dont chaque face est parfaitement claire. Elle dira de lui qu'il était cristal. Si le poète prend les armes, c'est que l'intelligence se met au service du risque et du sacrifice. La mort va devenir son ombre. Manouchian rassemble autour de lui quelques hommes courageux et décidés. Parmi eux, Celestino Alfonso, espagnol. Marcel Reimann, polonais. Spartaco Fontano, italien. Ou Joseph Boxoff, hongrois de la Transylvanie roumaine. Le groupe de Manouchian se distingue d'abord par quelques actions isolées, puis peu à peu, avec l'arrivée de nouvelles recrues, les opérations vont prendre une grande ampleur. Au cours du premier trimestre 1943, les coups de main se multiplient. Les partisans se retirent sans subir de pertes. Le groupe a acquis une parfaite cohésion et se compose d'une centaine de personnes, dont des Français. Méliné se souvient des conditions de vie dans la clandestinité, mais aussi des passions qu'elle partageait avec celui qu'elle appelait Manouche, et qui lui disait peu de choses de ses activités dans la résistance. Pour le groupe, elle tape des rapports, distribue des tracts, colle des affiches, sert d'agent de liaison entre les différentes communautés arméniennes de la capitale. Méliné est né à Istanbul en 1913.
Son père est l'une des nombreuses victimes de la guerre 14-18. Sa mère, se retrouvant seule, décide de placer ses trois enfants dans une école américaine à Adapazar, une sorte d'orphelinat. Mélinée y entre à 4 ans et n'en sort qu'à l'âge de 18 ans. Elle vit ensuite en Grèce jusqu'en 1926. La France ayant accepté de recevoir une partie des élèves, elle s'installe à Marseille. Par son courage, par les résultats obtenus, le groupe Manouchian force l'admiration de la France libre. Emmanuel d'Astier de la Vigerie, membre du Comité français de libération nationale et futur ministre du général de Gaulle, considère le groupe comme un des maillons les plus importants de la résistance en zone occupée. Les rapports d'activité du groupe Manouchian sont transmis à l'état-major des FTP, au gouvernement français d'Alger. Leurs actions sont citées à la radio de Londres. Mais il ne reste plus que 3 mois à vivre au groupe Manouchian. Ces mois seront peut-être les plus meurtriers pour les nazis. Des camions vont sauter, des trains dérailler. Julius Ritter, responsable du service du travail obligatoire, est tué devant le Trocadéro. J'ai reçu cette charmante lettre avec votre poème qui est très beau. Malheureusement, il est arrivé trop tard. Le premier numéro de la 5e année est déjà prêt. Il est entièrement composé et en grande partie imprimé et paraîtra à la fin de ce mois, au début d'octobre. Donc je le publierai dans le prochain numéro. 1943. Le mois d'octobre touche à sa fin et Missak Manouchian se sent filer. Il sait même le nom de celui qui a parlé sous la torture. Que se passe-t-il alors? Les avis divergent. Certains historiens affirment que sur les conseils de Mélinée, il aurait demandé la mutation du groupe en zone libre, ce qui lui aurait été refusé. D'autres prétendent que la direction du Parti communiste n'a jamais refusé ce qui ne lui a jamais été demandé. Quoi qu'il en soit, le 15 novembre, Manouchian propose pour la première fois à Mélinée de l'accompagner à un rendez-vous clandestin. Mais c'est la rafle. Manouchian parvient à s'échapper, mais il sera pris dès le lendemain. Mon âme veut être une abeille dans l'immensité de la nature, sucer le nectar des fleurs et le donner éternellement à l'humanité. Mais des forces sauvages la détournent de la course effrénée vers l'idéal et la contraignent aux luttes acharnées du présent. Un simulacre de procès à grand spectacle se déroule à l'hôtel Continental à Paris, à partir du 17 février 1944. La cour martiale allemande condamne Missak Manouchian et ses 22 camarades à la peine de mort. Jean-Hérold Paquis
célèbre speaker de la radio collaborationniste Radio Paris, fait chaque soir son compte-rendu. Mes chers auditeurs, ce métèque au teint basané se permit même une déclaration dont je vous livre le contenu afin que vous puissiez juger par vous-même du cynisme de ce triste individu. En effet, se tournant tout d'abord du côté des Allemands, il leur lança « Vous, je n'ai rien à vous dire, j'ai fait mon devoir qui était de vous combattre. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. C'est maintenant à vous de jouer votre rôle. Je suis entre vos mains. » Puis, s'adressant aux Français, « Mais quant à vous, vous êtes Français. Nous, nous avons combattu pour la France, pour la libération de ce pays. Vous avez vendu votre conscience et votre âme à l'ennemi. Vous aviez hérité de la nationalité française. Nous, nous l'avons méritée. » Mes chers auditeurs, ces propos sont une insulte à notre pays, aux patriotes que nous sommes. Ma chère Millénée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15 heures. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant je sais que je ne te verrai plus jamais. Que puis-je t'écrire? Tout est confus en moi, et bien clair en même temps. Je m'étais engagé dans l'armée de libération en soldat volontaire, et je meurs à deux doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Chacun aura ce qu'il mérite comme châtiment et comme récompense. Le peuple allemand et tous les autres peuples vivront en paix et en fraternité après la guerre, qui ne durera plus longtemps. Bonheur à tous. J'ai un regret profond de ne t'avoir pas rendue heureuse. J'aurais bien voulu avoir un enfant de toi, comme tu le voulais toujours. Après la guerre, tu pourras faire valoir ton droit de pension de guerre en tant que ma femme, car je meurs en soldat régulier de l'armée française de la libération. Avec l'aide des amis qui voudront bien m'honorer, tu feras éditer mes poèmes et mes écrits, qui valent d'être lus. Tu apporteras mes souvenirs, si possible, à mes parents, en Arménie. Je mourrai avec mes 23 camarades tout à l'heure, avec le courage et la sérénité d'un homme qui a la conscience bien tranquille, car personnellement, je n'ai fait de mal à personne, et si je l'ai fait sans haine. Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimé, que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme, mes bien chers amis. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour acheter sa peau et à ceux qui nous ont vendus. Je t'embrasse bien fort, ainsi que ta sœur et tous les amis qui me connaissent de loin ou de près. Je vous serre tous dans mon cœur. Adieu.
rêves qu'on a faits et pour ce qu'on fera, pour le point qu'on a levé, pour celui qu'on lèvera, pour un idéal, pour une utopie. Alors marchons ensemble, enfants de la patrie, fils de France. Ça pour baisser la tête, ah oui ça t'aime bien les minutes de silence, fils de France. C'était à peine hier et déjà tu brandis le drapeau de l'ignorance, fils de France. Jamais que nous sommes, nous serons les fils de la résistance, fils de France. Au royaume des aveugles, tu sais bien ce qu'on dit, les bornes sont les rois. Il y a ces ombres derrière nous, il y a ces idées vendues, il y a ces drapeaux qui flottent et des hymnes dessus. Et puis il y a toi mon frère, oui toi qui n'y crois plus. Et puis il y a nos prières et nos causes perdues. Honte à notre pays, honte à notre patrie, honte à nous la jeunesse, honte à la tyrannie. Honte à notre pays, revoilà l'ennemi. Allons marchons ensemble, enfants de la patrie. Nous sommes, nous sommes.